De voir que je rends ma famille fière, ça me fait vraiment chaud au cœur parce que je vois dans les yeux de ma sœur qu'elle est émue. Et en voyant ça, j'espère qu'elle pourra avoir la même satisfaction à l'avenir. Wouhou ! Attention, objectif Top Chef, c'est exceptionnellement jeudi dès 17h20 sur M6. Oula ! Le stress, il monte de plus en plus. Vous avez passé un délicieux moment devant Objectif Top Chef, comme en cuisine, avec But et but-cuisine.fr, meilleur cuisiniste 2023. C'était votre divertissement et un moment en famille avec Yop. Vous venez de varier les plaisirs devant votre programme avec le Comité national de la conchyliculture. Vous avez varié vos plaisirs en regardant Objectif Top Chef avec la friteuse sans huile Ninja Foodie Dual Zone. Deux compartiments pour deux fois plus de possibilités. Ça, c'est l'entrée, j'imagine. C'est pas. Tu vas pas rentrer par la cheminée, t'es pas le Père Noël. Vous avez demandé la lune? J'espère avoir la pépite. Stéphane Plaza et son équipe vont vous l'apporter. C'est une longère qui date de la fin du 19e siècle. Voilà. Je valide à 100%. Comme t'es bien exposé, économie d'énergie. Et s'il le faut, ils peuvent même garder les enfants. Tu fais dodo, oui. Allez, regarde, tu fais dodo. Recherche appartement ou maison, ce soir à 21h10 sur M6. Regardez votre programme avec les pneus Kléber. Kléber, la confiance en toute saison. Prenez le temps de regarder votre magazine avec Bosch Car Service. On s'occupe de tout pour votre véhicule, like a Bosch. Plus de 15 000 garages dans le monde. M&M's Crispy, pas besoin d'en dire plus. Fatigué. Comment vous faites pour avoir encore de l'énergie? On prend Bion 3 Vitalité. Bion 3 Vitalité, une formule unique avec des probiotiques pour maintenir l'équilibre de la flore intestinale, ainsi que des minéraux et vitamines afin de recharger votre réserve d'énergie pour la journée. Bion 3 Vitalité, énergie et équilibre intestinal. Je suis en train de te préparer un de ces plats là, maman. Qu'est-ce que tu prépares de beau? Carbonara. Je m'occupe de tout. Ah, je me suis brûlé. Oh, bah alors, pipipou. C'est qui? Ah, c'est le four. Attends deux secondes, moi. Au fait, tu ramènes bien le dessert, hein? Oui. Bien sûr, je suis en train de le faire. Uber Eats, ça arrive. C'est le petit croquant praliné que t'adores. Offre gagnante chez Point S. Jusqu'au 7 octobre, pour l'achat de pneus Goodyear, TVA remboursée, plus une Suzuki Swift hybride à gagner. Pas de stress. Il y a Point S. C'est marrant, Saint-Albrecht, c'est à la fois fin et fondant. C'est fendant. Et en même temps, il a de la générosité et du caractère. La caractérosité fendante. C'est gourmeux. Ah, voilà. Saint-Albrecht, c'est gourmand, c'est crémeux, c'est gourmeux. Ce serait pas le moment d'acheter un studio pour louer? Ça doit pas être sorcier. Paul l'a fait. Et Paul, c'est pas une flèche. Hein. Mais bon, bail quittant ce diagnostic. C'est une galère, non? Pour trouver l'agence près de chez vous qui vous accompagnera dans votre investissement locatif, rendez-vous sur orpi.com. Ah ouais, on a un petit souci, hein. Vous voyez la petite fuite? Bah ça, c'est la vidange. Bon, les petits jeunes, il faut compter une petite heure pour tout démonter. Faut aller faire un petit tour. Et si c'est ce que je pense, ça va vous coûter un petit billet. Oh là là. En ce moment, pour commander la pièce, il faut compter un petit mois. Heureusement, chez McDonald's, il existe des petites formules à 4,50€. Tu fais du bien, hein? Ouais. Et hop, petit logo. Nouveau Fébreze Petit Coin. Saviez-vous qu'à chaque fois que vous tirez la chasse d'eau, des odeurs se déposent sur les surfaces textiles? Appuyez fermement pour l'activer. Sans pile ni électricité, Fébreze Petit Coin combat les odeurs dans l'air et les empêche de s'installer durablement sur les surfaces textiles jusqu'à 50 jours. En ce moment, 40% remboursé sur toute la gamme Fébreze. Si les spectacles de fin d'année ressemblaient à ça, vous n'auriez pas besoin d'Air Waves. Mais ce n'est pas le cas. Besoin d'air? Airwaves, rafraîchit votre bouche, mais pas que. Quand on pense qu'il y a des gens qui continuent de suivre leur santé avec des outils peu fiables, alors qu'avec Mon Espace Santé, ils auraient accès à des applis sérieuses et sécurisées.
Utilisez donc Mon Espace Santé. Vous suivrez votre santé en toute tranquillité. Mon Espace Santé. Téléchargez dès maintenant l'application. Demain, la Coupe du Monde de rugby est sur M6. Rendez-vous à Nice pour Italie-Uruguay. Un match entre outsiders dans le groupe de la France. L'Italie, en pleine montée en puissance, fera tout pour repasser première du groupe A devant la France. Face à elle, l'Uruguay veut confirmer son rang de deuxième nation sud-américaine. Coupe du monde de rugby 2023, Italie-Uruguay, demain à 17h35 en direct sur M6. Profitez de votre match avec Verisure. Verisure, le numéro 1 français de l'alarme télésurveillée, avec caméra connectée et protection 24h sur 24. Retrouvez votre match avec GMF, sponsor officiel de la Coupe du Monde de rugby 2023. GMF, engagé pour le collectif. Retrouvez Poker Express avec Winamax. Winamax, le plus important, c'est de gagner. Bienvenue dans Poker Express, l'émission qui vous fait revivre les plus grands coups de poker de l'histoire. Au poker, attention à ne pas vendre la peau de l'ours avant la dernière carte du tableau. Nous sommes à Las Vegas en 2008, au tournoi principal des championnats du monde. Jean-Robert Belland est à tapis et son As-Dame est favori sur le tableau As-2-8-6 face au 9 et 10 de Sarkis Akopian. Il se permet même de célébrer sa victoire en avance, en serrant le point. Mais les autres joueurs à la table le ramènent sur terre. Sarkis Akopian peut encore gagner ce coup en trouvant un 7 sur la cinquième carte qui lui donnerait une suite. Que pensez-vous qu'il va se passer? Le hasard va-t-il jouer un vilain tour à Jean-Robert Belland? Vous l'avez deviné, la cinquième carte est un 7. Ce coup du sort provoque l'hilarité à la table de tous les joueurs sauf Jean-Robert Belland qui en jette sa casquette. Il pensait déjà avoir doublé son tapis, mais il est en fait éliminé. C'était Poker Express avec Winamax. Winamax, le plus important, c'est de gagner. Votre fils, il est en train de nous faire une grosse dépression. Vous allez devoir le dépayser. Vous avez déjà essayé de dépayser un paysan? Maintenant, ton médicament, c'est la Thaïlande. Viens, assieds-toi. Vous connaissez pas ma mère? Tu peux pas la fermer deux minutes. Je l'aurais dit de me toucher à la clim. On est toujours emmerdé par les poids lourds. Je tourne la poignée. Je suis déçu, ça n'a rien dans le sac ta trottinette, mon pote. Les Baudins sont Thaïlande, le film inédit, vendredi à 21h10 sur M6. Ce programme sera disponible en audio description. Tu viens? J'arrive. Partagez un moment en famille avec Yop en regardant votre film. Profitez pleinement de votre programme avec Shiva, ménage et repassage à domicile. Shiva, vous allez adorer rentrer chez vous. Quand on vit dans une passoire thermique et qu'on n'a pas de quoi financer les travaux d'isolation, on a froid. Mais rassurez-vous, CTLM a des solutions. Votre quotidien a de beaux jours devant lui. CTLM s'associe à EFI, spécialiste des travaux, pour rendre la rénovation énergétique accessible au plus grand nombre. À découvrir sur CTLM.fr. Nouveau McCrispy de McDonald's avec du poulet 100% filet et une panure très croustillante. Issu de la recherche Kiko Milano, Skin Trainer Serum. Avec de l'acide hyaluronique, Skin Trainer Serum, entraînez votre peau, Kiko Milano. MMA, interruption spéciale. Okay. Dans un contexte budgétaire difficile, ce couple utilise deux voitures. Oui, pour aller travailler, on est obligé. Ça doit faire un sacré budget, ne serait-ce que l'assurance. Au contraire, grâce à MMA, on fait des économies sur l'assurance. 100 euros par contrat. Du coup, en plus des deux contrats auto, on a aussi pris notre contrat habitation chez MMA. Et au final, on a économisé 300 euros. Zéro tracas. Et zéro blabla. Envoyez la pub.
Les bonnes nouvelles MMA, c'est 100 euros d'économie par contrat souscrit. MMA. Quand votre cuir chevelu est sec, il n'est pas seulement sec, il est abîmé. Le nouveau Derma Pro est enrichi à l'aloe vera. Pour un cuir chevelu comme reconstruit, des cheveux jusqu'à 100% nourris, sans pellicule. Nouveau Derma Pro. Et pour plus d'hydratation, utilisez le soin enrichi à l'acide hyaluronique. Entrez dans le futur de la banque en ligne avec Revolut. Payez à travers le monde sans frais et bénéficiez de taux de change compétitifs. 30 millions de clients à travers le monde nous font déjà confiance pour leurs finances. Créez votre compte gratuit en quelques minutes. Pourquoi faut-il secouer Orangina ? Parce que c'est meilleur quand c'est secoué ! Sinon la pulpe, elle reste en bas. Orangina ! Les ogres d'aujourd'hui ne dévorent plus tout ce qui leur passe sous le nez et sélectionnent de la viande française. Qu'est-ce qu'il dit, monsieur, là ? Non, il dit que chez Aldi, la viande de bœuf et de porc, le lait et les œufs sont 100% français. Aldi, place aux nouveaux consommateurs. Des incertitudes sur la santé de vos dents ? Elmex travaille en étroite collaboration avec des professionnels de la santé dentaire pour proposer des solutions efficaces, fondées sur la science, afin d'être sûr de leur donner le meilleur soin possible. Elmex, marque numéro 1, recommandée par les dentistes. Parfum de la fille d'Hermès. Je vais me battre pour moi et pour les autres. Vous pensez qu'on va la trouver, la solution ? Bien sûr, la recherche avance et c'est elle qui va nous donner la solution. La maladie d'Alzheimer touche 900 000 personnes en France et tous nos espoirs se tournent vers les chercheurs. Pour agir, faites un don à la Fondation pour la recherche médicale. Moi, je le fais pour ma grand-mère. Moi, je le fais pour mon père. Moi, je le fais pour mon grand-père. Et vous, pour qui le ferez-vous ? Faites un don à la Fondation pour la recherche médicale sur frm.org. Ce soir, ça va déménager. Sur M6. Retrouvez Stéphane Plaza dans un inédit de recherche appartement ou maison. Sur W9. Toute l'équipe de la série FBI est mobilisée pour traquer un tueur. Sur Sister. On prend son destin en main dans le film À coup sûr. Sur Gulli. Du cinéma à rugir de plaisir. Embarqué avec la bande de Madagascar. Bonne soirée. Sur les chaînes du groupe M6. Retrouvez M6 Météo avec Laboratoire SVR. Des solutions dermatologiques efficaces et éco-conçues. En pharmacie et parapharmacie. SVR, bien dans ma peau. Retrouvez M6 Météo avec le trèfle Maxi Douceur, généreux par nature. Bonsoir à tous, on commence cette météo par un détour par Marseille où vous avez eu une journée estivale avec un franc soleil dès le lever du jour avec des températures qui ont culminé cet après-midi autour des 28 degrés. Demain, les conditions seront encore assez clémentes même si les restes de l'ex-ouragan Lee vont arriver par l'Atlantique et nous apporter des conditions assez venteuses. On va voir ça dans un instant, mais tout d'abord les températures. Au lever du jour, elles seront une nouvelle fois plutôt douces pour septembre. Comptez 12 degrés à Dijon, 16 degrés à Lille et Bordeaux, 17 à Paris et 21 degrés à Marseille et à Nice. Demain, le temps sera sec sur la plupart des régions, avec un voile nuageux plus ou moins épais. En fin de matinée, le front océanique va faire son entrée par le Finistère avec de la pluie. Des Pyrénées au Var, attendez-vous à un temps instable avec des averses. Et vous le voyez, pas mal de vent dans le nord et l'ouest du pays, lié à cet ex-ouragan Lee, jusqu'à 90 km/h sur la pointe du Finistère. Ce vent va se maintenir l'après-midi alors que la perturbation progressera sur la Bretagne et le Cotentin avec des pluies soutenues et même parfois du tonnerre. Dans le sud, l'instabilité s'étendra jusqu'aux Alpes et à la Corse avec des orages qui ne devraient toutefois pas atteindre l'intensité de ceux du week-end dernier. Sur les autres régions, ce sera du beau temps sous un voile nuageux plus ou moins épais. Les températures l'après-midi seront en hausse en raison de ces vents du sud, sauf sous les orages du sud-est. Il fera 22 degrés à Lille comme à Montpellier et jusqu'à 27 degrés à Strasbourg, Bourges, Clermont-Ferrand et Toulouse.
Les jours suivants, la dépression va traverser le pays avant que la masse d'air ne s'assèche progressivement pour ce week-end. Jeudi, ce front pluvieux devrait donner pas mal de précipitations et des orages dans une ambiance toujours très venteuse, toujours beaucoup d'instabilité également dans le sud-est et des températures qui vont baisser pour atteindre des valeurs de saison. Vendredi, on retrouvera un ciel de traîne sur la plupart des régions avec alternance d'averses et d'éclaircies. Les côtes du Languedoc et de Provence vont, elles, retrouver le soleil. Samedi, encore des nuages et des averses au nord, mais un anticyclone va faire son entrée par le sud et ramener un temps plus sec pour la semaine à venir. Le point climat. Nous sommes en période de vendange. Celle-ci change-t-elle avec le climat? Pour que le raisin pousse et se charge en sucre, il faut de la chaleur, du soleil et de l'eau, bien sûr. La date à laquelle le raisin est prêt à être récolté est donc un révélateur de l'évolution du climat. Voici la date de début des vendanges en France, calculée à partir de 5 grands cépages. En une trentaine d'années, cette date est passée de début octobre, ici, à début septembre. Et en 2023 aussi, on a commencé à vendanger début septembre. Le raisin est donc mûr de plus en plus tôt au fil des ans, en raison de printemps et d'été plus sec et plus chaud. Voilà comment une plante cultivée, la vigne, témoigne de la réalité du changement climatique. Et voilà, vous pouvez accéder heure par heure à la météo de votre ville sur m6meteo.fr. Tout de suite, le 19h45, et ce soir, dans un épisode inédit, Stéphane Plaza et son équipe vont dénicher des perles rares dans Recherche appartement ou maison. Moi, je vous retrouve demain. Très bonne soirée à tous sur M6. C'était M6 Météo avec Laboratoire SVR. Des solutions dermatologiques efficaces et éco-conçues. En pharmacie et parapharmacie. SVR, bien dans ma peau. C'était M6 Météo avec le trèfle Maxi Douceur, généreux par nature. Aujourd'hui, dire que nos enfants préparent leur infarctus à 30 ans, c'est pas une erreur. C'est comme s'il y avait non-assistance à enfants en danger. Écran, malbouffe, sédentarité, alerte rouge sur la santé de nos enfants. C'est dans Zone Interdite, dimanche sur M6. Chez Triba, on adore écouter vos projets. Et vous allez adorer regarder Zone Interdite avec Triba. Triba, 300 espaces conseils pour vos fenêtres, portes et volets. Le matelas Savoir France EPEDA, élu produit de l'année 2023. Zone Interdite, avec les matelas, couettes, oreillers EPEDA. Bonsoir et bienvenue à tous. Mardi 19 septembre, voici les titres. Angélique et Valentin ont perdu leur enfant sur la route de la maternité. Leur véhicule a été percuté par une voiture à contresens et leur petite fille, sur le point de naître, n'a pas survécu. Depuis, eh bien, ils mènent un combat pour que la notion d'homicide involontaire soit retenue par la justice. Comment lutter contre l'impunité sur les réseaux sociaux? Un élu propose la notion de pseudonymat. Le principe permettre aux internautes de s'exprimer sous pseudo, mais d'être identifiable en cas de dérapage. Explication. Conduire en acceptant la présence d'un mouchard peut permettre de faire des économies sur le prix de son assurance. Une compagnie propose un boîtier qui récompense les meilleurs conducteurs et nous ferons le point. Cristiano Ronaldo sur le terrain géopolitique. L'attaquant du club saoudien d'Al Nasser joue ce soir à Téhéran contre un club iranien, une première. Et sa venue déclenche des mouvements de foule surréalistes, vous verrez. Et puis, à la fin de ce journal du cinéma, avec la sortie de la petite Fabrice Luchini, incarne un grand-père qui part à la rencontre de sa petite fille après la mort de son fils et de son compagnon. Il y est bouleversant. On commence ce journal donc avec le combat.